Et mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Lorsqu'on s'aperçut, j'avais quelque chose en plus. Ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un homme charmant. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dedans la rue on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire. Avec son chignon et toujours bien coiffée, la belle caissière du grand café. Avec la Midas, on se quitte jamais. Entendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants, dans les mots numains. Dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le temps. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnes et les gueules de loup boutonne, Félicie aussi. Près de nous, s'il fait une merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Le tango corse, c'est comme ça. Fais pas le couillon, c'est cordial, bon enfant. Fais pas le couillon, c'est gaillard de culard. C'est tellement sympathique, innocent. À tout moment, même sous pierre, on entend. Ça dit bien ce que ça dit, et c'est tout le midi. C'est éloquent, comme un coup de pied, oh, parfaitement. Fais pas le couillon, ce beau bar du vieux port. Fais pas couillon, se dit jusqu'au pôle Nord. Mais en patois, ces mots-là, j'ose croire. Une expression, sous, t'agresse pas le couillon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis sans cesse. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, de rascasse, un petit Saint-Pierre, huile, safran et avec fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Savez-vous ce qu'on dit de Zizi? On dit qu'il en est. Ce garçon si poli, si gentil, on dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille, avec de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. Alors pourquoi que les gens font da 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 da. Fabie, un temps superbe, et si on a cette caisse l'herbe, Félicie aussi. Lit douce pédine la fiole, et son aigle sentit la miole, Félicie aussi. Amblavé sous mes bouteilles, rosé comme un gratte-quille, Félicie aussi. Elle est toute espélaguée, a vu l'air d'un homme payé, Félicie aussi. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain,
ce sacré soleil me donne la flemme, je la couperai terre après-demain. Et si je peux pas la couper moi-même, je demanderai à la mitonnée qui la coupera aussi bien lui-même. Ce n'est pas qu'on soit fignant par ici, mais il fait si chaud dans notre midi. 4 films en curé, plus 1 en monseigneur. J'avoue que j'eusse aimé monter en grade encore. Alors, si je descends sur terre pour une étape, exaucez-moi, Seigneur. Je voudrais être pape, être pape, être avec les papes, être parmi les papes, des papes, oui, mais... Pardon, Seigneur, les mains, non, mais les pieds. Moi qui suis le jeune curé de la paroisse abandonnée là-bas, aux flancs de la montagne. Moi qui n'intéresse personne, pas plus les cardinaux de Rome que mes paroissiens qui se tannent. Quand je m'ennuie les soirs d'hiver, comme un berger dans son désert, je vais coucher dans mon église. Ah bon Dieu, si on était deux. Ah bon Dieu, si on était deux. Pour t'aimer, pour te servir, on serait pas trop de deux. Ah bon Dieu, si on était deux. T'es, en parlant de la partie de cartes, est-ce que vous en souvenez, vous? Oui? Alors, qui y avait à la partie de cartes? Qui? D'abord, il y avait César. César, c'est moi, le cafetier, d'abord. Moi, César. Ensuite, oui, il y avait l'autre, là, qui était maigre comme une bicyclette, là. Tellement maigre, celui-là, qui aurait pu se laver les jambes dans un canon de fusil. Monsieur Brun, oui, le professeur. Monsieur Brun, l'instituteur, plutôt. L'instituteur. Ouais. Et encore, vous n'avez pas connu sa femme, vous. Il était encore plus maigre que lui. Plus maigre. D'abord, il m'avait confié que le soir, quand il faisait l'amour, ça cuinait. Vous voyez un peu. Et ensuite, il y avait Maître Panis. Et qu'est-ce qu'il faisait, Maître Panis? Ben, il vendait des voiles. Oui, et le quatrième, j'y arrive, madame, j'y arrive au quatrième. Qui c'était le quatrième? Escarte Figue, vous avez raison, Escarte Figue. Et qui c'était Escarte Figue? J'attends. Non, madame, Escarte Figue. Non, c'était pas un gynécologue marseillais, de suite. Quand tu parles Escarte Figue, tu vois de suite, là, gynécologue marseillais. Non, non, c'est pas ça. D'abord, t'es, vous qui savez tout. C'est quoi un gynécologue? Dites-moi un peu. Hein? Vous savez pas? Où c'est que vous allez vous faire voir alors? À la grande ville? À Paris? Alors je ne suis pas venu pour rien, je vais vous le dire. Un gynécologue, c'est un monsieur qui travaille là où les autres s'amusent. Voilà ce que c'est qu'un gynécologue. C'est pas compliqué. Tu passes le bac, tu fais 5 ans d'études, et après tu touches du poil toute ta vie. Quoique, maintenant le poil, il paraît que hein, tout le monde comme Barthès. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est lisse. C'est plus agréable, il paraît. Voilà. Bon, je parle là, mais ça ne raconte pas mon histoire, ça. Hein? Parce que je suis venu quand même pour ça, pour vous la raconter. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, là, ben, elle me fend le cœur. Nous étions deux amis, Fanette m'aimait. Enfin, quand je dis qu'elle m'aimait, je l'aimais peut-être plus moi que ce qu'elle m'aimait, elle, hein? Parce que je me suis regardé dans le miroir, là. Je suis pas beau. Et elle était belle, elle avait, oh, n'exagère pas, des yeux noirs, comme des olives vertes. Hein? Le noyau, couillon. Et puis des cheveux qui dégoulinaient jusque là en dessous, là. Quand elle souriait, on aurait dit qu'elle mangeait tout le temps du sucre, tellement que ses dents étaient blanches. Des femmes, moi, j'en ai connu. Sous le corsage, vous avez de grosses cocourdes qui pendaient, là, comme les paquets de lessive, 3 pour le prix de 2, je te change. Fanette, elle avait 2 jolis seins en poire qui vous regardaient droit dans les yeux à vous en faire loucher. C'était une espèce d'ange. Seulement un ange, comme ça, des ailes. Ça peut facilement foutre le camp, hein. Au César, sur le vieux port, la mer est calme.
y a toujours autant de barques, le ferryboat est toujours là. Au César, de Rive-Neuve à la Madrague, dans toutes les parties de cartes, on parle très souvent de toi. Au César, joues-tu toujours à la manille avec ton vieil ami Panis? Est-ce qu'il te fend toujours le cœur? Au César, t'arrive-t-il de temps en temps de mettre tes beaux souliers blancs pour sortir naturellement?